Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Quelqu'un m'entend ? Oui ? On vous reçoit, vous êtes vivante. La navette est en réparation, mais on est encerclé. Et ils sont encerclés ? On arrive. Coordonnées ajoutées. Ok. Wow ! Abritons-nous là-dedans ! Là-dedans ? Abritons-nous là-dedans. Il a dit quelque chose. Mais je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Oh, on vous couvre. Ils essaient de nous coincer. Et ils se débrouillent bien en plus. Rider, hop, merci. On occupe. Ok, on recharge. Choisissez vos cibles. Il l'a eu. Ok, on l'a eu celui-là aussi. Oh, bonjour! Merci pour le shield. Hop! Vous êtes vivant, voilà ce que vous leur avez fait. Attention, ils sont prêts à tous les combats. Ok, niveau sup. Vous avez atteint le niveau 2. La cavalerie à la rescousse. Ça fait plaisir de vous voir. Appuyez sur machin pour voir le menu pause. D'accord, pouvoir de combat, pouvoir biotique, pouvoir mec. Liste de compétences. Ah non, compétences Liam, pardon, merde. Omnigrenade. Turbocharge. D'accord. Canon flac. D'accord. Ah, je peux toucher que les rouges, c'est ça? D'accord, que les rouges. Barricade, mine, pistolet, fusil d'assaut. D'accord. D'accord, intéressant. Ici, nous avons la télékinésie. Soleil un bouclier, projection Nova. Canon dernier provoque une explosion juste autour de l'utilisateur qui inflige des dégâts importants, d'accord. Onde de choc. D'accord, anéantissement, contre-coup, incision, pouvoir biotique offensif, confinement. D'accord. Ainsi, on émet une petite zone à l'aide d'un rayon d'énergie lancé rapidement. Je me demande si les points faibles des ennemis sont touchés, comme la tête par exemple. Fait exploser les amorces de combo. Ah, ça peut être intéressant ça. Ah, et des... D'accord. Ok. Oh, ça visuellement ça claque. Ça je prends. Ah d'accord, je vais... Ok. Ok. Onde de choc, c'est parti. J'ai encore 2 points à mettre, vitesse de recharge. Vu que ça claque, on va mettre de la vitesse de recharge, comme ça nous en fera 2. Voilà. Merde, j'ai fait quoi? D'accord, ok. Je recommence. Voilà. 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 Attribuer pouvoir. C'est bon. C'est fini pouvoir, annuler changement. Confirmer et quitter. Oui. Voilà. Et donc au niveau des pouvoirs, ce sera sur RB. D'accord, ok, cool. Tout le monde va bien? Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivé juste à temps. Oui, je sais, nous sommes tellement balèzes. Bonjour ! Il est parti en connaissance pendant qu'on réparait la navette. Rider, il y a des armes et des munitions à la navette. Chargeur sup. Faites le plein. Ils ont essayé de vous parler au moins ? À peine un mot, puis ils se sont mis à tirer. Comment ça s'est passé avec vous ? On a essayé d'être gentil. Ils ont pas joué le jeu. Ils ont pas joué le jeu, il est con lui. Ouh, cache d'armes. Un M23 katana, c'est pas un fusil de... c'est pas un fusil à pompe ça? Je ne sais plus. Ah, je peux pas. Je me sens con. Bon bah je lance le pistolet, c'est pas grave. Donc voyons ce qu'on a comme arme. Et merde, vaisseau ennemi en approche. C'est ça, c'est vrai qu'il sort le. Quoi? What? Oh la vache, le chien! Le chien! Mais putain, mais vous me coincez, les mecs! La foudre a grillé leur navette! Hop les! Oula! Oula! Marcus?
Bouclier. D'accord. Bouclier, Marcus. Ça ne va plus. Ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Bon, à couvert. À couvert. Crac. Bouf. Hors de portée. D'accord. Unité lourde inconnue, ok. C'est pour ça que j'ai aussi mal depuis tout à l'heure. Ok. Tu sais quoi? Donne-moi ton armure. Ok. On l'a eu. Putain, la foudre. C'est balèze, hein. T'es là, toi? J'ai pas l'impression que ça touche. Je vais te mettre mieux à couvert que ça, toi. Merci pour ton bouclier. Boum. Voilà, problème résolu. Je vais être un petit peu offensif, hein. Je veux pas rester comme dans... comme dans Ghost Recon. Oula, 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 tu te calmes. Ouais, c'est juste que ces connards ont tué Kirkland. Calmez-vous. Je comprends, mais c'est pas le moment de perdre son calme. Voilà, ça va. Il m'insiste en plus. Les autres ont survécu? Fisher est blessé, mais ça va. Greer est avec lui. La navette est en miettes. Hé hey. Elle est blessée. Merde. Bougez votre cul. Bougez votre cul. Ah ouais, vous êtes biotique? Vous en faites pas, ce n'est pas contagieux. Juste avant l'attaque, j'ai... j'ai réparé nos transmetteurs. Les mecs, oh mon dieu. Un météore, ça arrive sur nous. Il fait la tête de notre corps. On pourrait l'esquiver. Non. Pourquoi le faire? Content de te voir en vie. Quelle est la situation? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas mal. Cool. C'est trop risqué avec ces orages. Nos blessés ont besoin d'aide. Nos blessés ont besoin de soins rapidement. Une idée peut-être? Si c'est l'orage qui pose problème, y a plus qu'à l'arrêter. Arrêter un orage? J'ai ma petite idée là-dessus. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va. Bon sang, ils m'ont repéré. Chef? Bon sang, ils m'ont repéré. Oh mince alors. Vous laissez avec elle? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. Dac. Bien, madame. Sam, tu as la position du pionnier? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Crac. Dépêchons-nous. Il faut qu'on y arrive avant que l'orage éclate. On ne fait pas de détour. Qu'est-ce que mon père cherchait? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Pas de détour, apparemment. Place dans la zone. Usez de prudence. L'orage commence déjà à s'intensifier. C'est plaisir de te retrouver, Sam. Tu veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois? Ah, j'avais pas percuté ce coup-là. Faut que je fasse tout le tour. Ryder, votre père était en difficulté. Il faut qu'on le retrouve. Attends, j'ai envie de tenter un truc. Non, c'est limite. Ah, je suis pas en forme. C'est pas grave. Il faut qu'on retrouve le pionnier. Crac, full santé, tout ça. C'est quoi ça? C'est à nous. Ok, bon, bah on fait tout le tour alors, hein, c'est pas grave. On a toujours pas accès à l'inventaire, à... Ok. Toxicité, pourquoi pas. On peut pas passer par là. Si on continue, on va se faire tuer. On peut pas passer par là. Si on continue, on va se faire tuer. Mais si on peut passer par là. Ah non. On devrait rebrousser chemin avant que l'orage... D'accord. Ok. Donc je vais crever bêtement. Si on continue, on va se faire tuer. Je trouve ça un peu... un peu foutage de gueule à vrai dire.
Bon, t'es c'est pas. Votre père était en difficulté. Il faut qu'on le retrouve. Ouais, bah écoute, je travaille dessus, hein. Il faut qu'on retrouve le pionnier, le plus vite possible. T'inquiète, j'y bosse. Ça m'a raison, on n'a pas beaucoup de temps. Regardez, les paratonnerres, ils attirent la foudre. Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. Près du mur? D'accord. Il y a des morts, ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires, mon père s'amuse bien. C'est un N7. Il rigole pas, cela. Recyclage sur le terrain. Je gagne des trucs, je sais pas quoi. Codex. Alors, attendez, est-ce que c'est dans partie? Dans les didacticiels. Pas un nom, hein. Non, bon, on y va, on continue, hein. C'était une bonne idée de planter ces paratonnerres. C'est le seul moyen de survivre. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça est tiré à vue. Par contre, là, il y a du gaz partout. C'est marrant, il n'y avait aucune trace d'industrialisation, pourtant là, on voit l'industrialisation. On n'est pas loin. D'après les coordonnées, mon père est là-haut. Ok. Et ton père est là-haut. Bon, bah, ça tombe bien. Chef. Restez baissé. Ils se servent de la foudre pour alimenter leur énergie? On a l'impression un petit peu, hein. Qui c'est cela? Des visiteurs, comme nous. Je ne crois pas qu'ils soient natifs de cette planète. En effet, on a trouvé un labo désert, comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué, du beau travail d'éclaireur. On reste pro. Merci. Merci. Ça semblait important. C'est bien, il faut écouter son instinct. Là... Mon instinct me dit qu'on est assez mal barré. Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage? Le nuage d'énergie noire que l'Hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, ils perturbent le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. D'accord. Donc si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. Il faut juste qu'on les contourne. Alors au boulot. C'est un pari risqué, mais on ne sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes, la route ne sera pas des plus agréables. Si les riders en sont, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous? Oh, ça sera eux, mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille, il faut juste qu'on change un peu la donne. Il a posé des bombes. Et donc la foudre va leur tomber droit dessus. Il est au taquet le papa, hein. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec son action, parce que finalement on va tous pouffer pour le... Je vous suis. Avancez jusqu'à la structure. Oui, père. Sam, charge le profil de combat. Tu l'as kiffé celui-là? Tiens, donne-moi ça d'ailleurs au passage. Où est-ce qu'ils sont? Putain, mais... Les mecs, pourquoi vous avancez? Bouclier. Merci. Il m'a par où ça passe. Putain, mais en fait il est en vol, il s'arrête complètement de voler. Bon. Voilà. On va en finir. Oh, c'est stylé ça, ma grande. Tiens d'ailleurs, tu sais quoi? T'es mort.
Ça, je savais pas. Voilà. Suivant. Conteneur. Culasse. Scan. Boum. Putain, le papa, il est au taquet, hein, c'est violent. Hein. Sam, mode interface en idiotique. Faut qu'on garde un œil sur notre flanc. Pas si on continue d'avancer. Ne les laissez pas nous rattraper. Putain, je prends des dégâts à cause de ça. Comment il fait ça, votre père? C'est une vraie machine. Aucune idée, mais ça marche. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas comment il avance. Là, on a vu une dépouille. Hop. Munitions cryo. J'ai pas encore utilisé mes munitions, je vais plutôt les... Parce que je sais pas encore quelle quantité de... Tout en haut. Et après, on le saura en arrivant. Tenez le rythme. T'inquiète. Voilà, allons-y. On ouvre. Lubrifiant. Je trouve du lubrifiant. Ok. Scan. Si on se laisse distancer, on est mort. Scan toujours. Merde, il s'est visé. What? Sam, passe au profil technicien. Putain, d'accord, il change de classe depuis le début. Il explique les différentes classes. Oh nom de Dieu, le sac! Chef, d'où est-ce que vous sortez tous ces profils? Sam me donne un petit coup de main. Comment ça? Concentrez-vous plutôt sur le combat. Voilà. L'orage est plus fort! On dirait le centre de contrôle. Éloignez-les de moi! Vous l'avez entendu? Oh. On y est arrivé. Tu l'aimes? C'est pas encore fini. Faut que je passe par cette porte. Si je peux le faire. Unité lourde inconnue, faudrait que je charge mon bouclier. Allez! Voilà. Voilà. Voilà, ça se passe très très bien. J'ai trouvé mon profil de combat. Même si papa il aimerait pas que j'appelle ça comme ça. Dépouille. Culasse. On continue. Vas-y, ouvre-moi cette porte. Il faut que j'arrive à déchiffrer cette langue. Ouvre-moi. Quoi? Ils vont nous encercler, on a rien de temps. Il faut qu'on défende les deux côtés ou ils nous prendront à revers. Où est-ce qu'on doit se poster? Oh merde. Oups. Compris. Ok. C'est un tutoriel gigantesque en fait, c'est. D'accord. Voilà. Attention, je crois qu'il y a du mouvement. Dak, je viens sur toi. Défendre le pionnier. On les a tenus en respect à la navette. On peut y arriver cette fois aussi. Ils sont en haut. Des tas de gens comptent encore sur nous. Je m'échauffe à peine. Merde, je me trompe de bouton. Analyse des entrées possibles. Décryptage à 25%. Dépêche-toi. Ah, regarde, bouffe. On a plus le temps. Voilà. Des deux côtés. Il faut pas qu'il passe. J'ai perdu l'autre. Wow. C'est quoi cet endroit d'abord? Aucune idée. Mais ils ont l'air d'y tenir. Alors? Décryptage à 50%. La syntaxe aïe est étrangement complexe. C'est bon, je l'ai eu. Je vois ça. Oui, il l'a eu, je sais pas. Récursive. J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence. Juste un instant. Wow. Vas-y. Donne. Dégage. Je crois que je l'ai vraiment énervé, celui-là. Peut-être parce que je vais... Ça marche à travers les couvertures, donc c'est bon.
étage à 75%. On y est. Ok. Prêt. Je joue avec le feu, mais c'est pas grave, j'adore ça. Il faut tenir. Bouclier. Il se replie. Il se regroupe peut-être pour un nouvel assaut. Restez en alerte. Trop loin, bien trop loin, Marcus. Hop, tu donnes ça. C'est un accès au système de sécurité. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici. Et merde. T'as toujours pas de. Je dois y jeter un œil. Dépouille. Mais elle est optimisée. Intéressant. Ouvrir la porte. Ryder, j'ai besoin d'aide ici. Je suis là, pas. C'est bon, allez-y, on surveille vos arrêts. Ce qui est bien, c'est qu'il dit Ryder à chaque fois, donc si ça pourrait être le frère ou la sœur. Ça m'a décodé une partie du langage. Intéressant. Voyons si je peux avoir une conversation. Avec qui ? À qui est-ce que tu comptes parler ? Plutôt à quoi ? Je crois que c'est un robot. Il est vraiment malin. Oh putain, oui, une entité en face. Allez, viens. C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail. Et pendant ce temps-là, mes potes se battent, hein. Sam, commence à traduire. Un instant. Indexation. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne. On sait pas du tout ce qu'il fait, ce qui se passe, rien du tout. Que dalle, que puig, que dalle. Nada. Rien du tout. La foudre s'est arrêtée en tout cas. Et nos copains ont disparu. C'est pas vrai. Ça a marché. T'as réussi. Au moins, il y a un espoir. Les gens ont besoin de ça. C'est ce que les gens de l'Arche attendent. L'espoir que ça va marcher. Mais c'est pas en restant là à admirer le paysage que ça arrivera. Retournons à la navette et... Encore ? Là par contre l'effet de fumée est magnifique. La forêt, enfin c'est la moitié de la fumée, la moitié autre chose. Wow ! Ça pue du cul mon casque. On a besoin d'une extraction d'urgence sur le champ. On met la navette en route. Arrivée prévue dans 3. Il va me donner son casque. Ah, la scène est horrible. Ah. Ah, c'est triste. What? C'est... Alors ça, c'est l'intérieur du cerveau, normalement. C'est littéralement la matière grise. Vite, il est en train de faire un arrêt cardiaque. Ah, parce qu'il... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça, par contre? Son pouls faiblit. Vite à l'arche. Parce que dès que vous faites un arrêt cardiaque, toutes vos, certaines de vos cellules grises décèdent malheureusement. Voilà, donc c'est d'où les souvenirs, vous voyez. Le pouls est trop bas. Il convulse, son cerveau ne supporte pas la connexion. Amenez-le au bloc Sam. Au bloc Sam. What the... Ah, transfert amorcé. Il nous a transféré la mémoire du pionnier, c'est ça, non? L'implant de Ryder est en surcharge, je suggère une connexion directe. Vas-y. Oh, l'angle des doigts était pas drôle.
Ah, ça m'a donné, ça m'a fait mal à la main, vous voyez. Moi aussi, je... Bonjour. Oh là là, on se pourrait dans les Sims en termes de graphisme, là, pour le coup. Dommage que ça t'a pas arrangé la figure. Pardon. Vous êtes cliniquement mort pendant 22 secondes. Et les autres? Le reste de l'équipe est en vie? Salut, vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc, Sam. Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui? Sam. Je l'ai pas entendu. Sam, il est dans ta tête. Regardez-la. Et là. Mon père. Où? Elle a encore un petit peu de... Pardon, je vais la faire à chaque fois. C'était lui ou vous? Il a fait son choix. Pourquoi elle sourit? Je sais que ça doit être un choc. Pourquoi elle sourit? Arrête de sourire, ça va pas! Il est mort en... Je ne le connaissais pas. Il est mort en héros. Il s'est sacrifié pour nous. Il a mis l'équipe hors de danger. On lui doit tous la vie. Il m'a dit un jour que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam? Sam fait partie de vous maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora? En théorie. En réalité, vous êtes le nouveau pionnier. Eh ouais! Puisque je n'ai pas le choix, c'est une plaisanterie, puisque je n'ai pas le choix. Bon. Ok. Si on n'a pas d'autre choix. Ne vous rabaissez pas. Vous en êtes capable. Cora? C'est ce qu'il voulait. Je ne m'interposerai pas. Mais le rôle de... T'arrêtes de sourire, par contre. Vous êtes vraiment prêt à l'assumer? Décontracté, non. Il va bien falloir. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi ici. Je m'en sortirai. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours. Justement, la tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Donc en fait, à quelques heures près... Il a 2 heures. Il aurait pu respirer. On aura besoin de notre pionnier. Au fait, j'ai vu votre sœur. Il n'y a pas vraiment de changement, mais elle a autant de chances de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Sam, qu'est-ce qui se passe? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. Pourquoi m'avoir choisi moi? Je comprends pas. Pourquoi moi? Je l'ignore, mais il n'agissait jamais sans raison. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui, la peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Dak. Donc, voilà la fameuse race extraterrestre. Extraterrestre. Enfin, inconnue. Parce qu'on n'est plus... Enfin oui, elle vient pas de Terre, mais elle vient pas... on n'est pas sur Terre. Donc. Extraplanétaire, on va dire. En tout cas, jusque-là, c'est très 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 fluide. Qu'est-ce qu'il vient de lui donner? Une espèce de drone. Ah, il y a un petit lag là.
C'est une espèce de caméra de surveillance donc. Il a pas la technologie. C'est intrigant, son visage ne... Il y a aucune émotion dans son visage. Dans leur visage à tous. Dans sa gestuelle, regardez, il semble... excédé par la colère. Là, peut-être un petit peu plus renfermé, si je puis dire. Mais il y a une impassibilité qui est incroyable. Alors, est-ce que c'est un problème d'animation? Ou est-ce qu'ils sont faits pour ça? Je ne sais pas. Par contre, il serait temps que l'épisode se termine. Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les arches Asari, Galarienne et Turienne devraient être là aussi. C'est la partie centrale, donc, vous avez remarqué? J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Le voilà quoi? Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle. Contrôle du Nexus. Ah non, c'est pas ça. Ici l'archipel. Non, j'ai rien dit. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y. Il n'a pas l'air d'avoir énormément de vie en tout cas. Hein. Donc j'ai bien trouvé. Bien vu, ça se rétracte. Ça pourrait être pire. Vraiment. L'habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés et notre pionnier est mort. On peut difficilement faire pire. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Pénétration. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnier. Elle est agréable, dis donc. Petit con. Ok. Alors moi, j'aimerais, chers amis, sauvegarder... Oh, putain. Ça va aller, Ryan. Ah. Le capitaine. Non, on va se laisser là, les amis, malheureusement. J'ai un rendez-vous chez le veto pour mon chien. Donc voilà. Ben, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yop.